Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Aujourd'hui, on va parler The Vintage Collection et je vous emmène sur Bespin. Et on commence par le blister. Packaging classique qui dévoile une chambre de cryogénisation au style assez épuré. On retrouve aussi le logo Empire Contre-Attaque. On nous indique qu'une figurine est livrée en blister, un Stormtrooper. Et d'autres visuels nous montrent que le set est nettement mieux quand on en achète deux. C'est pratique. Sur les tranches, on retrouve différents visuels. Au dos, c'est le même. Et pour finir, on a droit à un visuel de l'extraordinaire mécanisme de ce set. C'est de l'ironie. Hein. Allez, passons à l'unboxing. Cette mission allait vraiment s'avérer délicate. Je devais déjouer les plans du diabolique général Ricardo de Montoya et restaurer la paix en Amérique latine. Fort heureusement, je disposais d'un kit Vintage Collection. J'avais un coton-tige, bien pratique, une épingle à nourrice, un élastique usagé, une paire de lunettes 3D, et une boîte de cassoulet, pas du William Sorin car on n'a pas le budget. Alors le contenu de la boîte est beaucoup moins fun. Oui, il va y avoir un peu de montage, ne vous inquiétez pas, ça va relativement vite. Par contre, comment vous dire ça? Je trouvais ça un peu toc. Et j'avais des craintes en voyant le visuel, et en ouvrant la boîte, je crois que mes craintes sont confirmées. Ça fait plastique, ça fait fragile. Alors, heureusement, il y a une figurine de Stormtrooper, ça c'est plutôt sympa. Mais bon, c'est une figurine déjà sortie, qui bénéficie d'un joli blister, mais bon, rien de folichon non plus. Ça sera pratique pour constituer, pour plutôt renforcer mon armée de Storm. Après oui, le blister est joli, il faut l'avouer. Et donc on a aussi une petite notice nous détaillant les différentes étapes du montage. Et comme je vous le disais, ne vous inquiétez pas, ça ira vite. Et maintenant, voyons à quoi ça ressemble une fois monté. Le set est donc livré avec ce super mécanisme. Oh là là, waouh, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et ça s'enlève. Oui, effectivement, en plus de la figurine du Storm, on a droit à une plaque de Han Solo dans la carbonite, qui est la même que celle qui était fournie avec le diorama du palais de Jabba. Alors comme vous le remarquez, finalement rien ne se clipse vraiment, tout est posé, donc l'escalier peut se mettre en fait où vous voulez. Bon, ça peut être pratique ça pour l'exposition, mais après c'est pas très solide vu que rien n'est vraiment fixé. Que ce soit cet escalier, le tube... Enfin, la chambre de cryogénisation. Même là, c'est pas clipsé. Cette plateforme du haut de ses pilotis fait terriblement vide. Bon, l'escalier est joli, mais... Mais encore, s'il tenait bien, voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, tout se casse la gueule d'un rien. Donc, ouais, c'est... c'est pas terrible, hein. Vraiment hyper décevant. Encore plus décevant que ce à quoi je m'attendais. Bon, alors pour être un peu plus juste, voici un plan large pour que vous puissiez mieux appréhender ce diorama. Bon, alors, point positif, elle est plus fidèle au décor original que la version de 2001 qui était particulièrement ratée, qui faisait très gamine. Là, c'est... Ouais, c'est... Oh non, ça fait trop vide pour être vraiment réussi. Je trouve que c'est quand même assez décevant. Et en plus, c'est que cette bêtise, elle prend elle prend de la place, quoi. Eh oui. Bon, alors, est-ce qu'avec des figurines, ça rend mieux? Oui, heureusement.
Mais même avec plein de figurines, alors j'en ai encore beaucoup en boîte, hein, déménagement oblige, on ne fait pas de merveilles non plus, car le problème de ce décor, c'est justement de manquer de décor, d'éléments de décor, parce que finalement, c'est plus un assemblage de différentes plateformes avec un escalier qu'autre chose. Ça fait assez plastique et... Pour en tirer vraiment quelque chose de joli, il faut avoir, j'allais dire, un minimum de talent, être un minimum doué de ses 10 doigts pour retravailler ça, pour ajouter un décor, je sais pas, une photo, des effets lumineux, rajouter des tuyaux, peut-être incruster les plateformes dans un autre décor déjà existant. Pour lui donner plus d'ampleur, plus de volume, car là, ça fait terriblement, terriblement vide et très plastique, quoi. Alors, en même temps, je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même, car c'est ce que nous promettaient déjà les visuels officiels. Un set terriblement vide qui vaut quand même 50 euros. Bon, il y a une figurine, celle du Stormtrooper, version Empire Contre-Attaque. Alors, pour info, il s'agit d'un assemblage de la version du Stormtrooper Han Solo Disguise in Stormtrooper, pour le corps, et la tête, c'est celle du Stormtrooper Rogue One. Bon, ça fait une jolie figurine, mais c'est un bel assemblage, quoi. Alors après, si vous avez des petites lampes de poche ou un téléphone portable, je vous invite à les utiliser pour rendre au moins très jolie l'exposition avec ces effets lumineux. Il faut avouer que ça en jette davantage. C'est plus sympa et voilà, ça apporte un petit cachet au set que n'a pas la version standard. Sincèrement, ils auraient pu prévoir ces effets lumineux pour donner un peu plus de cachet à cette boîte qui en manque terriblement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce diorama.